Mesdames, Messieurs, bonsoir. La mission de conciliation s'est rendue aujourd'hui à Pointe-d'Imier, mais surtout à Ouvéa. Ouvéa, c'est une île qui symbolise et qui symbolisera sans doute pendant longtemps les événements, les drames et les épreuves que le territoire a connues ces derniers temps. À Ouvéa, plus qu'ailleurs, les fils du dialogue sont beaucoup plus difficiles à renouer et la conciliation, la réconciliation apparaît véritablement comme un défi. Reportage Dominique Fossé. Accueillie par les autorités coutumières de l'île, la mission, qui n'avait aucun programme préétabli, s'est tout d'abord rendue à la tribu de Wadria. Coutume, puis entretien de près d'une heure avec des responsables coutumiers et la population, les exigences des indépendantistes, la situation sur le territoire et l'évolution de fait ont été évoquées. Le préfet Christian Blanc et les cinq autres membres de la mission sont allés ensuite se recueillir sur la tombe des 19 indépendantistes inhumés dans une fosse commune. Brève visite dans le nord de l'île, à Saint-Joseph et dans la tribu de Gossana, située non loin de la grotte où s'est déroulé l'assaut le 5 mai dernier. Soulagé de la coutume que vous avez faire maintenant à mes sujets, à mes vieux. En début d'après-midi, la mission a visité la brigade de gendarmerie de Fayaoué. Un gendarme, témoin de l'attaque, a relaté au préfet Blanc la façon dont s'étaient déroulés les tragiques événements. Une minute de silence a été observée à la mémoire des quatre gendarmes tués. Satisfait des différents entretiens, ce qui est important aux yeux de Roger Leray, un des membres de la mission, c'est le droit à la dignité. Si nous pensions qu'il n'était pas possible de parvenir à une harmonie dans le respect des uns et des autres, nous ne serions pas venus. Les contacts que nous avons eus jusqu'à présent montrent d'évidence qu'il y a, je reprends une formule qui a été utilisée à plusieurs reprises par nos interlocuteurs, qu'il y a une formidable volonté de paix dans ce pays. La mission a souhaité au cours de cette journée à Ouvéa respecter les différents équilibres de l'île et saluer tous les morts.